Trois-Rivières, 1,58 Saint-Étienne-des-Grès, 1,45 Et cette station-service à grand-mère, 1,43 Un prix qui justifie l'attente, selon ces automobilistes. Une 43, c'est pas mal mieux que tantôt on s'en venait une 55. Ça fait combien de temps que vous attendez? Oh, ça fait peut-être quoi? Deux minutes? On passait ici. On le savait que c'était réduit. 1,43 c'est ce qu'il en coûte aux détaillants pour faire l'acquisition de l'essence, selon le CAA Québec, soit exactement le même prix qu'il est payé à la pompe en ce moment. Et malgré cela, cette station service fait de bonnes affaires. Le monde va recommencer à travailler, le gaz, c'est pas cher. Fait qu'ils viennent tout gazer, puis ça amène des nouveaux clients dans notre dépendance. Avant ça, il y a la Saint-Étienne, puis là, after vient ici. C'est tout le moins cher. tu cherches pas ailleurs, t'en viens ici, t'es sûr, qu'il est plus bas. En Mauricie, la marge des détaillants s'élève à environ 12 sous par litre, une tendance à la hausse depuis quelques années. Si tu vois à Montréal, des fois, il est moins cher ici. Les prix sont encore différents. Ici, c'est ça que je comprends pas. C'est des bandits de grand chemin ces gars-là. S'il n'y euh, a pas de garde des prix, ben tout le monde plus ou moins le converge vers des prix similaires. Donc, c'est pas de la collusion comme telle, mais c'est une certaine tolérance de ce qu'on peut voir sur le marché. Nous autres, on détermine pas les prix. Nous autres, on souhaite des euh... On envoie des enquêtes de prix de l'essence, puis les autres décident à combien qu'ils le mettent. OK. Puis eux autres, c'est? Bien, c'est en nous autres. Le litre d'ordinaire varie de 15 à 20 sous, non seulement dans la région, mais partout au Québec. C'est au Bas-Saint-Laurent où il est le plus cher. Et les aubaines sont au Saguenay, lac Saint-Jean. Avant les fêtes avec des grands déplacements, donc certains. Euh, détaillants vont prendre peut-être des marges de profit plus élevées. Quand on regarde au niveau du prix du pétrole comme tel, il n'y a pas eu des, des modifications importantes. Il y a eu des chutes. qui peut-être certains détaillants aussi qui n'ont pas euh, mis à jour D'ailleurs, selon cet expert, le prix du baril de pétrole ne devrait pas trop fluctuer en 2024, de quoi donner un peu de répit aux automobilistes. Jonathan Sirène, TVA Nouvelle, Shawinigan.